Ils ont beaucoup de travail d'organiser tout ça. Alors écoutez, je vois pas encore les slides. Si, bah voilà, c'est très bien. Donc là, en fait, ce que j'ai à l'écran, c'est ma représentation mentale de comment on va d'une donnée à finalement une valeur qui est proposée soit aux médecins, soit aux patients. Donc, ce qu'on espère, c'est que ces algorithmes ils sont suffisamment intéressants pour qu'ils soient transférés dans des sociétés. Alors, prenez pas les sociétés qui sont à l'écran comme des lauréats forcés, des appels à projets qu'on peut faire, mais comme des exemples des jeunes sociétés françaises qui développent, là en particulier, par exemple, c'est dans le monde de l'imagerie médicale, jusqu'à ce que bah, voilà, ce projet devienne suffisamment mature pour que ça devienne un produit qui arrive dans le monde de la santé et qui soit livré à la fois aux médecins ou aux patients. Et sachant que ce qu'on essaye un petit peu d'impulser là dans la dynamique du grand défi, c'est que les porteurs de projets pensent plus le côté droite d'abord et finalement remonte la chaîne ensuite. C'est-à-dire que ce qu'on essaye d'insuffler comme démarche, c'est de se dire finalement pensez d'abord à votre proposition de valeur, demandez-vous quelle est l'amélioration que vous allez apporter à la santé, éventuellement aux médecins, et puis après déroulez la pelote jusqu'à aller chercher les données parce que ben, souvent en fait on est confronté à des problèmes quand on n'a pas assez pensé à l'accès au marché qui arrive trop tard et qu'on n'a pas assez inclus dans la réflexion. Du coup, slide suivant, l'action du grand défi, elle porte à différents endroits. Donc il y en a un premier qui est d'essayer d'aider les porteurs de projets au stade un petit peu voilà, en amont, quand on n'est pas encore sur le marché, qu'on est en train de travailler sur ces algorithmes pour pouvoir collecter à la fois des données et développer les algorithmes. Donc je vous présenterai les actions juste après. Slide suivant, une autre des actions consiste à essayer d'accompagner les projets plus dans ces phases au début, là, quand on a les algorithmes et qu'on commence à se confronter un petit peu aux usages. Donc vous verrez, il y a des actions là-dessus. Et puis le dernier point, donc que j'avais un peu mentionné l'année dernière, donc slide suivant, c'est comment on fait pour de moins diffuser facilement en fait ces algorithmes de manière massive, à la fois aux patients et ou aux professionnels. Et ça, on en a un petit peu parlé, Alain, en fait, à travers l'espace numérique de santé, bah c'est la vocation qu'on a. J'avais présenté un exemple la dernière fois avec Anne-Laure de la CNAM également sur l'imagerie. J'en dirai deux mots, mais vous allez voir, le Ségur reprend un petit peu cet esprit-là. Donc, sur le slide suivant, je fais des zooms. Ouais, juste ce point-là, un point qui est important, c'est que aujourd'hui, en fait, on a quasiment deux démarches, je dirais, parallèles. C'est-à-dire qu'on a à la fois la démarche qui se trouve du côté du Health Data Hub ou des porteurs de projets d'aller collecter des données, et puis on a de l'autre côté une démarche qui concerne beaucoup plus les soins courants et qui consiste à dire, bah voilà, on aimerait que ces données, quand on sort de chez le médecin, quand on sort de chez le pharmacien, elles soient plus dématérialisées. Donc on met des efforts de part et d'autre. On se dit qu'un jour, en fait, si on arrive bien à travailler sur toute cette organisation des données pour les soins courants, ça bénéficiera nécessairement aux porteurs de projets demain qui cherchent à constituer des bases de données. Donc, ce ne sont pas des démarches qui sont au final découplées, puisqu'on sent bien que travailler mieux sur nos données dans les hôpitaux, dans les plateformes de données de la CAM ou autres, ça bénéficiera à la fin aux projets de recherche. Slide suivant, donc je zoome un premier exemple d'appel qui a été mené avec le Health Data Hub, qui a été clos là cet été, avec pas mal de succès puisqu'on a eu 136 projets et qui permettait de financer des packages, donc à la fois de données et pour financer les ingénieurs sur ces phases, je dirais, early stage pour constituer les premiers algorithmes. Ensuite, dans cette chaîne, donc là, slide suivant, on a proposé un appel qui vient de se clôturer là, il y a bah, même pas une semaine, qui a pour but, une fois que l'algorithme il est développé, qu'il est figé, on le connaît, de venir financer son évaluation sur le marché. En fait, l'hypothèse qu'on fait là, c'est que même quand l'algorithme il est fini, en fait, on n'a pas forcément un produit, on est encore en risque. Il y a encore beaucoup de ces sociétés, en fait, finalement, qui ne sont pas capables de démontrer à quoi sert leur algo. Et donc là, on prend le parti de venir financer ces phases-là d'évaluation qui permettent de démontrer, en fait, à quoi ça sert. C'est un appel qui est par vague, donc là il est clos depuis, je vous dis, une semaine, mais on va le relancer juste après, peut-être même avec plus de financement qui se trouve sur la slide, et on pense que c'est un élément important en fait pour promouvoir l'innovation et l'intelligence artificielle. C'est vraiment d'aller se concentrer sur c'est quoi la valeur, et on accompagne les boîtes sur cette valeur. Et puis alors l'année dernière, j'avais présenté justement un projet qui était mené avec la CNAM par ailleurs sur l'imagerie médicale. Alors donc j'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'il y avait un budget qui était prévu là-dessus, qu'on a loupé sur ce projet-là.
Donc ça, c'est une fausse mauvaise nouvelle, parce que la bonne nouvelle, c'est ce que j'annonce juste après. C'est qu'on a, donc slide après, on a la chance d'avoir là sur le numérique en santé, en fait, après la crise, des énormes investissements qui sont faits. Et donc là, c'est une slide qui est un petit peu rigolote, puisqu'on a 19 milliards d'euros qui sont mis sur le Ségur en santé, dont vous pouvez le voir, 13 en reprise de dette, 6 en investissement. Ce qui est majeur et ce qui n'a jamais été fait, en fait, jusqu'à maintenant sur le numérique en santé, c'est de mettre 2 milliards qui sont dédiés au numérique en santé pour venir finalement répondre à toutes les attentes qu'on a pu entendre jusqu'à maintenant, c'est-à-dire comment on passe d'un système où tout fonctionne en silo à un système où on arrive à avoir ces données au sein du parcours de soins qui sont à la fois dématérialisées, numériques, mais surtout qui sont échangées avec le patient au cœur, donc essentiellement dans son dossier médical partagé ou dans son espace numérique de santé. Et donc nous, c'est ça notre objectif, c'est comment on va arriver à mettre en œuvre ces financements pour que les données soient demain réellement échangées, premièrement avec le patient et deuxièmement avec le personnel de santé qui vont le prendre en charge. Et donc évidemment, ça repose sur tout ce qu'on a pu mentionner avant, y compris et surtout les infrastructures qui sont développées par la CNAM. Et donc l'objectif, c'est comment on met ça en route pour que ça marche vraiment. Alors le slide d'après, il présente un petit peu la roadmap qui est derrière, c'est-à-dire que on est en train de construire le plan. On a de la chance, c'est que de toute façon, les financements sont votés au budget donc de la Sécurité sociale, donc ils seront débloqués que l'année prochaine. Donc on est vraiment dans une phase de consultation et de construction de qu'est-ce qu'on va vraiment venir encourager, quelles sont les données, quelles sont les évolutions logicielles dont on a besoin, y compris par ailleurs éventuellement du côté de l'État, mais surtout du côté des logiciels qui sont aujourd'hui distribués sur le terrain. Ensuite, dans une deuxième phase qu'on espère l'année prochaine, on va venir faire ces évolutions et venir les financer. Donc le but, c'est de se mettre à niveau pour pouvoir véritablement lever tous les freins qu'on a identifiés pour qu'on ait un échange de ces données qui soit majoritairement digital dans le parcours de soins. Et puis ce qu'on pense, c'est que juste derrière, il faudra financer les usages, et donc c'est la phase d'après. Je crois que juste après, il me reste un slide ou deux. Si vous pouviez finir en 30 secondes. C'est mon dernier slide. Et donc le dernier slide, là, c'est pour donner quelques mots de la méthodologie. En fait, on s'aperçoit que les logiciels, ils sont répartis dans différents métiers. Donc là, vous les avez, c'est ceux qu'on lance en priorité, le médico-social, l'hôpital, la biologie, la radiologie, la médecine de ville. Et après, on a une question qui est, on a un certain nombre de technologies autour de l'identification du patient, du professionnel, et puis les tuyaux, qui sont la messagerie sécurisée de santé et le DMP. Et donc nous, là aujourd'hui, on travaille sur un plan qui permet d'adresser à la fois l'ensemble de ces couloirs, les uns après les autres, d'identifier les problèmes et de travailler sur les couches qui sont très transverses que vous voyez là en bas pour enfin, une fois pour toutes, arriver à libérer ces échanges de données, encore une fois, autour du patient et dans son intérêt et son parcours de soins.